Salam les gens, je vais vous présenter l'installation complète de Recalbox. Ça se fera en étapes. D'abord l'installation à proprement dit, ensuite la préparation de la carte SD, l'installation sur la carte SD. D'abord, on va commencer par installer la mini tool partition wizard. Ça, c'est pour formater la micro SD. On a besoin de Win32 disque imager. Ça, c'est ce qui va écrire Recalbox sur la micro carte SD. On va sur le site officiel de Recalbox et on télécharge le dernier, c'est celui-là. Ça, c'est un excellent site, mais ce sera pour tout à l'heure. C'est les Recalbox, les Retropie, tout prêt. Faut les installer, faut les écrire sur la microcard SD et on n'a plus qu'à jouer. Là, on est sur Mini Tool Partition Wizard. On a notre disque dur là-haut, notre microcard SD en bas. On clique droit, on met Delete All Partition. Oui. Ensuite, on va ici, on clique droit, Créer. On fait en FAT32. OK. Et on applique. Voilà. Maintenant qu'on a téléchargé Recalbox, on a ceci. Voilà. Bon, j'utilise une rare, mais on peut utiliser 7-Zip. Voilà. Ce fichier-là, on n'a plus qu'à mettre sur le bureau. On clique dessus et hop, on met sur le bureau. Moi, je l'ai déjà, il est là. Une fois que c'est ça, il ne reste plus qu'à l'écrire sur la micro carte SD. Donc, on va utiliser Win32. Voilà, alors ici il faut installer le fichier image, c'est Recalbox, on va aller le chercher. Il est sur le bureau. Voilà. C'est périphérique, c'est le D. On n'a plus qu'à écrire. Je ne vais pas passer les détails puisque moi je l'ai déjà installé. Moi, je vais vous montrer une méthode toute simple. On va pas se prendre la tête. On va télécharger les ROM packs complets. Ils sont opérationnels. J'en ai testé plusieurs. Donc, les ROM packs complets, ils sont là. C'est sur ce site ArcadePunks. Vous les téléchargez dans eTorrent. Donc, vous prenez Torrent, c'est plus rapide. Donc, comme vous pouvez le voir, j'en ai plusieurs. Voilà, j'ai même mis Raspbian ici. Bon, c'est hors sujet. Voilà, j'ai des packs à 16 Go, 32 Go. Ensuite, on fait exactement la même méthodologie que pour Recalbox. On écrit l'image avec Win32. Voilà. Je vous ai montré une méthode simple. En vérité, c'est de télécharger les packs complets déjà tout près de Recalbox à Retropie. J'espère que ma vidéo vous aura plu. Abonnez-vous. Likez, je vous remercie grandement, je vous dis à la prochaine fois, au plaisir.